ça va? C'est Fifi le Sevenol, en forme. Alors, je vais rajouter salut YouTube et salut le gang des fifionistes. Eh oui, tout ça pourquoi? Parce que j'ai mon copain Georges et mon copain Roger. Georges, il dit toujours salut le gang à Fifi et Roger, il dit toujours salut les fifionistes. Donc moi je dis salut YouTube et salut les fifionistes. Aujourd'hui, on va s'en faire une au top. Je vais t'expliquer de A à Z comment faire tes saucisses, comment faire tes merguez, comment faire tes chorizo. Tout simple, berboyau.com. Eh oui les copains, berboyau.com. Donc aujourd'hui, on innove. T'as vu? J'ai mis la GoPro en marche. Eh ouais. Et ici, je t'ai tout préparé. Sur la table, je t'ai tout préparé. Donc ici, devant, tu as d'où sont les boyaux. C'est tout bien expliqué. Sur les prospectus qu'il m'a donné Anthony, berboyau.com, eh oui. Alors ensuite, tu vois, on descend en dessous, tu vois, ça s'appelle une corne. Alors ça, c'est très bien. Ça, c'est une ustensile très bien pour racler tes bacs, pour racler tes gamelles. Super, c'est berboyau.com, eh oui. C'est une vidéo pour mon copain Anthony, berboyau.com, eh oui, t'avais compris, voilà. Alors, là devant. Donc je vais essayer avec la GoPro de te faire des gros plans, que ce soit nickel, voilà. Donc ici devant, on va commencer par le choix des boyaux et de l'assaisonnement complet. On commence à parler par l'assaisonnement, d'accord? Tout simple. Ici tu as un assaisonnement complet, voilà, que je regarde en même temps, pour merguez. Donc tu vois, c'est conditionné en 1 kg. Convient très bien pour la charcuterie frais, à cuire ou sec. Dosage 70 grammes par kilo de masse, de viande, on est d'accord. Mode d'emploi, incorporer la pâte, malaxée. Composition, piment rouge, sel, lactose, ail, épices, émulsifiant E450, E452, colorant E120. Donc ça, c'est parfait pour ceux, pour les fifionistes, tu vois, je vais l'utiliser à gogo, pour les fifionistes. Pour les fictionnistes en herbe qui sont là et qui veulent se faire des saucisses, des chorizo, des merguez. Donc tu t'emmerdes pas. Allô, berboyau, voilà, tu peux m'envoyer un assaisonnement merguez? Oui, boum, demain tu l'as. Voilà, 72 heures, mettons, 48 ou 72 heures. Tu veux faire des chipots? Il a des assaisonnements complets pour les chipots. Tu veux titiller un peu? Eh ben, tu prends ma recette, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de rabelais. Basta, et tu fais tes saucisses. Voilà, donc là, ça c'est pour le piment, donc, tu vois là, voilà, je te le mets bien, hein, le piment, l'assaisonnement. Ah merde, ça c'est le chorizo, allez, calus, Fifi, je me suis planté dans les trucs. Ah non, c'est ça, c'est le chorizo. Bon, en fait, c'est le chorizo. ouais, ça c'est du Fifi. Alors tu vois le mec qui te dit toujours, ouais, quand c'est que tu fais une vidéo en direct, ça c'est du direct. Tu crois que j'ai le temps, moi, dans une journée de 24 heures, de refaire des vidéos, de faire des montages? Non, j'ai pas le temps. Déjà, celle-là, pour la faire, galère. Tous mes potes, les administrateurs, salut les copains, ils sont tous au courant. J'en ai chié pour faire cette vidéo, mais j'y suis. Donc, ça, c'est l'assaisonnement chorizo. On est d'accord. Tu prends, je vais te faire voir comment ça fonctionne, comment tu l'utilises, comment tu le mets, etc. Ici, tu as des masses de boyaux de porc pour faire chorizo ou la grosse ou ce que tu veux, voilà. Donc ça, on les préparera ensemble. Je vais te faire voir. Ici, tu as un assaisonnement. Ah, il est là, le complet merguez impérial, voilà. Alors ça, c'est parfait. Tu vois, là, tu as 1 kg, autrement dit, tu peux faire 20 kg de merguez avec, puisqu'il est donné pour 50 grammes, que tu le voyais bien, pour 50 grammes par kilo. Voilà, ne pas rajouter de sel. Tu as dedans la composition, donc là tu peux y aller les yeux fermés, tranquille, c'est pur, c'est très bien, et tu es sûr du dosage. Tu ne mettras pas plus de piment, trop de sel, pas assez, machin, patin, couffin, eh oui, patin, couffin, c'est du niçois, eh oui, et voilà. Donc, complet merguez, excellent, on va le tester ensemble, et on va le goûter, voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, pour les boyaux, attends, là, je baisse un peu elle. Voilà, pour les boyaux, ici, tu as des menus de bœuf. Donc, pour faire la chipot ou la merguez, hein, ok? Alors, là, c'est du 24-26. Et ici, tu as du 22-24. Moi, perso, j'utilise du 22-24. Tu verras, bah, comme tu le sais, ça fait 50 ans que j'en fais de la saucisse. Donc, j'ai l'habitude. Et les boyaux, quand Anthony m'a vu faire les saucisses, il m'a dit, quand tu les bourres. Lui, il croyait que c'était du 24-26. Eh non.
Bon, alors, si tu vois ces boyaux là, rien de plus simple. Donc là, tu as le prix donné. Voilà. Donc tu as bien boyaux de mouton sur tube. Alors là, l'avantage, c'est que pour le préparer, on n'a qu'à l'ouvrir. J'ai préparé, tu vois ici, un petit bac d'eau. Eh oui, pour le mettre à tremper dedans. Alors, tu vois, Anto, il te dit mettre à tremper 2 heures avant utilisation. Tu vois, c'est tout marqué là-dessus. Voilà. Voilà. Là, tu vois, c'est tout marqué. Voilà. Donc, tu prends, tu lis, tu exécutes. Il te donne environ pour 4 kilos de masse. Donc, ça, ces boyaux, tu vois, le 24-26, il sort quand même à 9,80. Et le 22-24, il sort à 9,30. Et oui, ça en coûte, les boyaux. Eh oui, ça coûte. Ça coûte cher. Voilà. Mais là, c'est Anthony qui te les vend. Donc, imagine, tu viens l'acheter chez un petit boucher. Le petit boucher va pas te le faire cadeau. Hein. Ouais. Normal. Hein. T'as des factures, il faut les payer. Bref. Donc, on commence par cela. Parce qu'après les autres, il va falloir aller à la plonge. Tu vois que j'ai tout calculé. Regarde. Ça, je les pose là. De toute façon, tu as les photos. Là, tout simple. Tu prends ton sachet. Tu ouvres ton sachet. Tu sors ton boyau qui est déjà enfilé sur le tube. Et tu le mets dans de l'eau, tout simplement. Voilà. Donc celui-là, c'est le 24-26. Voilà. Et celui-là, c'est le 22-24. Alors, je vais garder les papiers à côté et tout, mais bon, moi je les reconnais de l'un à l'autre. Voilà. Il y en a un plus large que l'autre. Voilà. Et celui-là, c'est le 22-24. Donc on va faire comme ça et comme ça. Au moins, je sais que celui-là, c'est le 22-24, et celui-là, c'est le 24-26. Voilà. Maintenant, ici. Ah, j'ai mouillé ma table. Fais gaffe parce qu'il y a la caméra et tout là-haut. Je bousille tout, c'est mort. Hein. Voilà. Alors, on relève un peu. Voilà. Ah, maintenant, ici, tu vois, donc cela, je te dis, on va les travailler à la plonge. Voilà. Je vais te revoir comment travailler des boyaux. Et ça va servir pour tous les fifionistes. Eh oui, pour Philippe, pour Romu, pour tout le. Pour tous les copains qui charcutent. Stéphane, je vais enfin te faire voir en vidéo comment préparer tes boyaux que je t'avais expliqué, tu te rappelles? Stéphane Vialet, mon pote. Ah, c'est mon pote. Hein. Donc voilà. Alors ceux-là, tu vois, ils sont un peu moins chers. Voilà. Après, à toi de voir ce que tu veux. Donc voilà, c'est pareil, c'est conditionné. 22-24, 15 mètres de boyaux de mouton, environ 5 kilos de saucisses, à peu près tu fais avec. Donc sur le châssis, il y a marqué 4, sur le papier, il y a marqué 5. On va le faire, on va peser, on va voir tout ça ensemble. D'accord? Alors là, on prend le temps, hein, pour la vidéo. Et ouais, t'es pressé? Dégage, casse-toi, tu nous laisses tranquille entre fifionistes. Nous, on a des trucs à faire. Voilà, moi j'ai une parole à tenir par rapport à tous mes amis, à tous mes copains, et ce coup-ci, on fait la vidéo. Donc si toi, t'es pressé, que ça, déjà ça te gave, allez, va jouer, au revoir. Voilà, donc ceux-là ils sont bien, voilà, ça j'en ai travaillé pendant des années, ça s'appelle des masses. On va passer de suite à la plonge et on va les travailler, comme ça tu vas voir comment on fait. Allez, t'es prêt? On est parti. Donc première chose, tu vois ici, tu as un seau, ici un bac, ici tes boyaux. Ce que tu fais dans ce seau déjà, tu le remplis d'eau froide. Remplis trois quarts, quoi. Hein, d'accord? Ici, ton petit bac là, tu vas mettre à peine un petit peu d'eau. Voilà. Tu vois? Ici, tu vas ouvrir ton sachet de boyaux, le 22-24. Et bien, regarde, pour les reconnaître, très simple. Tu as un anneau rouge, un anneau noir. Donc 22-24, anneau noir. Et 24-26, anneau rouge. Ok? Tu ouvres ton sachet. Ici, tu arrêtes l'eau. Tu vois, il est à demi, donc ça suffit. Je te fais voir quand même. Voilà, il est à demi, donc ça suffit. Tu prends ton boyau de 22-24, ta masse. Donc ça s'appelle bien une masse. Cette masse, tu vas la défaire comme ça, doucement. Bien sûr, doucement, parce que sinon tu vas faire des nœuds. Et ici, tu vois, il y a un petit nœud. Donc tu viens le défaire, ce nœud. Voilà. Tu viens défaire ce nœud. Voilà. Ok. Une fois que tu as défait ce nœud, ta bague, tu n'as qu'à la mettre par là. Voilà. Ça, tu t'en fous le plastique poubelle, hein, on est d'accord. Donc tu prends tes boyaux et tu les mets là-dedans dans ton seau. Tu vois? Et tu ne les lâches pas. Tu vois? Tu le mets là dans ton seau et tu le fais aller venir une fois ou deux. Voilà.
Et là, tu les rinces comme ça, tes boyaux, tu vois. Et après, ce que tu fais, tu les lâches dans ton ongle. Là, tu ressors un boyau, juste un boyau. Et là, ce que tu fais, tu le fais filer comme ça, tu vois. Tu tires juste un boyau. Maintenant que tu as tiré ton boyau, c'est là le plus important. Là, tu allumes ton eau, ton robinet d'eau froide. Tu écartes ici le bout du boyau, d'accord. Et là, tu vas venir mettre dedans ton boyau un petit peu de l'eau. Voilà, juste à peine. Tu vois comme ça? Voilà, juste pour pouvoir le rincer. Et là, ce que tu fais filer. Tu fais filer cette eau dans ton boyau. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu rinces ton boyau. Et en même temps que tu passes de l'eau, tu vérifies qu'il n'y ait pas de trou. Si l'eau, elle se barre, c'est qu'il y a un trou. Tout simple. Donc, une fois que tu as fait ça, tu prends, tu mets ton boyau dans l'eau. Et sur le bord, tu mets le petit bout de boyau ici, et ainsi de suite. Et après, quand tu vas commencer à faire tes saucisses, tu vas démarrer de là, et ainsi de suite, ok? Donc, on finit cela. Tu vois, hop, on peut arrêter l'eau, oui, voilà, c'est mieux. Hein? Pour la planète, pensez à économiser. Donc, tu rallumes ton eau, tu reprends ton boyau comme on a fait pour l'autre. Et voilà, et tu passes tes boyaux comme ça, on est d'accord? Voilà, alors tu vas passer tous tes boyaux comme ça à l'eau. Et tu vois, le petit bout, tu le mets bien là sur le bord, de façon que tu puisses pas galérer pour retrouver ton départ de boyaux. Tu comprends ça? Voilà, alors là, je les fais tous, hein. Comme ça tu vois bien. Donc ça va être pareil aussi pour l'autre. Le 24-26. Et après, on va se faire les boyaux chorizo. Chorizo, pareil, on va les préparer ensemble. Voilà, tu vois. Hop. Donc ça, c'est un peu plus long. Après les boyaux que tu as déjà sur tube, tu verras, ça va très rapide. Mais bon, tu payes aussi, hein. Là, il y a une coûte, hein. Je veux dire, les boyaux à l'achat, ils sont un peu plus chers. Mais c'est une question de pratique, hein. Tu prends, tu mets à tremper 2-3 heures avant, quoi, même 4 heures avant, ou même tu peux mettre la veille pour le lendemain, si tu veux, hein. Il faut faire ça à tout prix, non. Tu fais comme tu veux. Et c'est très simple parce que tu mets sur la canule et hop, tu n'as plus qu'à tirer le plastique et c'est fini. Donc tu vois, là, le truc, c'est que c'est vachement long. Après, si tu t'énerves, tu vas faire des nœuds. Si tu fais des nœuds, tu vas t'énerver, tu vas casser, tu vas jeter tes boyaux. Et tu auras jeté des sous. Et tu n'auras plus de matériel pour travailler sur tout ça. Donc tu vois, hop, tu mets un petit peu d'eau dedans. Donc je sais, c'est un peu long, machin, bon, mais tant pis mon pote, hein. Tu as voulu une vidéo que je t'explique? Je t'explique, voilà, je t'explique. Voilà, celui-là aussi, tu vois, paf. Ok, donc là, elle est là. Donc cela, tu vois, la bague noire, on la met là. Tu sais que c'est le 24-26. D'accord? Voilà, maintenant, on prend celui-là, donc, le 24-26, et ça c'est 22-24. Oh putain, 22-24, le rouge, 24-26, le noir. Mais tu sais, c'est juste une question de taille de boyau, de grossir, de saucisse. Voilà. Donc là, tu le moules, hop, tu le fous là-dedans comme nous. Tu vois? Là, tu te sépares, tu défais de ce nœud. Voilà. Hop. Et la bague rouge, tu la mets là pour après. Voilà. Voilà, donc tu tires tes boyaux. Tu vois, hop, tu vois ce qu'il fait? Tu vois ce qu'il fait? Alors là, quand ça fait ça, là, tu remets dans l'eau. Voilà, je me mets là. Et tu le vois.
broyé à peu près. Donc là, quand ça te fait un nœud comme ça, tu remets dans l'eau et avec les doigts, tu le défais doucement comme ça. Tu tires pas comme un belu, sinon tu fais des nœuds, tu vas casser. Tu comprends? Eh oui. Il comprend que si c'était pas un métier, tout le monde il le ferait. Bon, alors après, tous les fichionnistes là, passionnés. Voilà, mes petits. Eh mais tu sais qui va bien ce mot, le fichionniste? Eh ouais, parce que c'est parfait, au moins comme ça. Moi, t'as vu, hein, putain, pour retenir les prénoms, des fois, mais vous y êtes tellement nombreux, les copains, bon. J'arrive plus à l'air, bon. Donc voilà, parfait. Allez, hop, tu le mets de l'autre côté, tu vois. Tu démarres de là. Et allez, tu tires ta masse entière. Voilà. Voilà, tu vois, le tout c'est de bien les séparer, doucement. Alors, tu le fais à la maison, je sais, t'as qu'une petite, un petit évier. Mais tu fais pareil, tu t'arranges. Mais je veux pas venir à la maison te faire tes boyaux, hein. Déjà je te montre tout. C'est toi un peu, hein, de vouloir, hein. Alors, regarde, tu vois, une fois que t'as fait ça, tu passes à l'eau. Alors là, c'est les petits pour faire la chipo, ok. Mais tu veux faire pour la grosse, tu sais, la grosse saucisse, eh bien pareil, même principe. Si tu achètes des masses de boyaux, même principe, les boyaux, ça se prépare comme ça. Voilà. Donc tu vois, c'est long, tu vois, c'est long. C'est un métier où c'est qu'il faut prendre le temps de vivre, parce que de toute façon, tu prends pas le temps de mourir, mon pote. T'inquiète pas. Alors prends le temps de vivre et fais-le bien, ce métier. Et si tu le fais pour gagner des sous et que tu penses qu'au pognon, tu iras une grosse merde, tu feras une grosse merde de ta vie. Ouais. Tous les mecs qui ont pensé qu'au pognon à leur vie, c'est tous des charlons, tous des cloches. Et la plupart de mes copains, ils ont tout bouffé. Et ouais. Ils arrivent à 50, 55, 60 ans, des cloches. Voilà. Ça, pour la chipot, tu vois, c'est fait. Donc j'ai bien séparé, dans la noire ici et dans la rouge ici. Donc ça on le met de l'autre côté, on s'en occupera après. Maintenant on prend les boyaux pour la grosse, tu vois, c'est des 32. Ok. Donc, pareil, tu ouvres ton sachet, tu sors tes boyaux. Ta masse de boyaux, tu la mets dans ton seau. Une fois qu'elle est là dans le seau, voilà, tu vois, elle est dans le seau. Une fois qu'elle est là dans le seau, olé. Tu vois, celle-là, elle est nouée. Alors, celle-là, elle est nouée, il faut la dénouer de suite. Sinon, tu vas faire un nœud. Et si tu fais un nœud, après, c'est la merde, je te le dis. Voilà. Tu vois? Voilà, ta masse, elle était faite. Là, tu la laisses tremper. Ici, pareil comme tout à l'heure, tu as le nœud, tu viens défaire ton nœud ici. Et là, tu sors ta bague. Ok, donc la bague là tu t'en fous parce que tu sais que c'est pour le chorizo, la grosse quoi. Donc pareil, tu t'en fous, hop, tu mets là dedans. Et là tu fais comme tout à l'heure, tu retires juste un boyau, tu vois, et on le met par le côté là. Donc j'ai mis ce plateau là pour pouvoir les poser, que toi avec la caméra tu voyais bien, tu comprends, c'est vraiment pour toi que je te fais cette vidéo. Voilà, et ici pareil, tu ouvres l'eau. Tu viens prendre ici au bout, l'ouvrir. Hein? Donc comme ça, tu le rinces et en même temps, ça va te permettre. Voilà, ça c'est bien. Ça, parfait. Ils sont beaux ces boyaux, Anthony. Ah ouais, ceux-là sont nickels. Ceux-là, ouais. Bien, super. J'aime ce travail. Voilà, et après tu fais ça, tu vois. Tu fais passer l'eau dedans. Donc tu as vu l'eau, elle est restée tout le long. Elle est restée tout le long parce que le boyau, il n'est pas troué. S'il est troué, tu vas voir l'eau. Elle se barre. Et là, tu coupes le boyau. Hein. Tu ne gardes pas un boyau troué. Voilà. Tu coupes le boyau et tu fais deux petits morceaux. Là, quand tu as fait ça, tu émince. Ah, voilà, il est là. Tu... Ah ouais, j'avais prévu le petit bac. Tu prends un petit bac, tu vois. Tu mets un petit peu de l'eau dedans. Tu prends ton boyau. Tu le poses dedans, doucement comme ça. Voilà. Et là,
le départ, tu le mets là, sur le côté. Ok? Tu as compris? Donc voilà, on en prend un autre. Allez, je t'en fais voir un deuxième. Et puis après, là, c'est bon pour les boyaux. Hein. Donc là, tu tires ton boyau, tu le fais venir là. Voilà. Tu vois, quand j'étais petit, j'ai commencé par ça, faire les boyaux à mon père, du temps qu'il faisait ses saucisses. Eh oui. Eh mon pauvre. À la rue Saint-Pierre, à Sospel. J'étais tout petit, j'étais tout petit. J'étais tout petite boucherie aussi. Oh, pauvre. Des bons souvenirs, tout ça. Donc voilà. Alors là, pareil, tu vois, tu tires tes boyaux. Voilà. Jusqu'au bout. Et voilà, une fois que ça c'est fait, voilà, que tu le voyais bien, tu poses ton boyau à côté de l'autre, et le départ, tu le mets là. Ok pour les boyaux? Voilà, ça c'est fait, maintenant on va faire les saucisses. Ok? Alors, ça y est, Fifioniste, t'es prêt? On continue? Donc, on a fait les boyaux ensemble, ça y est, t'as compris? Bon, maintenant... Ici, j'ai haché ma viande hachée dans le poussoir, comme tu peux le voir, dans le pétrin. Et ici, donc, je prends mon assaisonnement complet de berboyau.com, le complet merguez impérial. Alors ça, c'est excellent. Pourquoi? Pour toi, qui te fais un petit peu de merguez de temps en temps dans l'année. Voilà, tu charcutes pas toute l'année. Donc, pour ceux qui font de temps en temps, c'est impeccable. Tu prends, tu mets 50 grammes par kilo de mêlée, de kilo de viande, et tu délayes avec de l'eau froide, de l'eau qui sort du frigo. D'accord? Tout ça, il faut pas oublier les enfants, éviter de couper la chaîne du froid. Et faites des petites masses, c'est-à-dire des petites quantités. Tu as un poussoir à saucisse que tu peux mettre que 4 kilos dedans, et alors tu vas te faire 8 kilos, d'accord? La moitié, tu vas la pousser, l'autre moitié, tu la pousses. Tu as fait tes 8 kilos de saucisse, hop, c'est bien. Tu les mets à égoutter, ou alors, si tu les mets pas à égoutter, pendu, parce que j'ai vu pas mal de com, les copains, je t'avais dit que je te répondrais en vidéo. Donc, si tu peux pas les pendre, hein. C'est dommage, parce que même sur ton évier à la maison, si tu mets deux petits crochets, tu sais, des petits crochets vis, comme ça, dans ton meuble qui est au-dessus de ton évier, tu mets deux petits crochets vis, une petite barre de fer, et tes saucisses, tu te les pends, là, le temps que tu les fasses. Pour 4 kilos, ça va pas tirer comme un malade sur ton meuble, mais au moins, les égouttes sur ton évier. Tu comprends ça? Voilà. Après, quand tu as fini de charcuter, tes saucisses, tu les prends. Tu me dis, je peux pas les pendre dans mon frigo. C'est pas grave. Tu prends un bac et tu les allonges comme ça, en long, dans ton bac, au frigo. C'est tout. Tu mets un cellophane si tu veux. Tu mets pas de cellophane si tu veux pas. Le lendemain, quand elles auront craché le surplus d'eau, parce que l'eau que tu mets là, elle va pas rester dans la viande. Et non, la viande, elle va pas l'absorber. Tu es d'accord? Voilà. Par contre, l'assaisonnement, il va être mélangé de partout. Tu vois? Donc, cette eau que tu as rajoutée dedans, cette eau, elle va s'écouler de quand tu fais les merguez jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans tes merguez. Mais il ne faut pas attendre qu'il n'y en ait plus. Tu vois, si ta merguez, après, tu la laisses trop sécher, t'as compris. Voilà. Donc, le lendemain, tu prends tes merguez, tu consommes déjà. Alors, à éviter de consommer le jour même, il faut les laisser reposer au moins, tu les laisses reposer aujourd'hui pour demain. Ou alors, si tu les fais le matin, très bien, tu fais le matin, ce soir, tu peux les manger. Ou midi, tu peux les manger. Tu comprends? L'assaisonnement, il aura travaillé. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, t'as vu, hein, je t'ai répondu, hein, je suis un bon. Hein. Donc, maintenant, tout simple. Tu fais, moi, j'ai fait 20 kilos. Je vais mettre l'assaisonnement complet. Et oui, tu sais bien que c'est pas le mien. Mais c'est pour faire plaisir à mon copain Anthony. Et surtout, pour que tu saches te démerder avec tes 10 doigts. Alors, il faut que vous sachiez tous les fifionistes, hein, les fifionistes, le gang des fifionistes. Il faut que vous sachiez tous que ça me fait énormément plaisir de vous voir vous démerder et surtout de voir reproduire mes gestes, reproduire mes charcuteries, reproduire ce que je vous fais voir en vidéo. Alors, il y a vraiment des passionnés. Champion, hein, champion, les gars. La bise à tous et à toutes, parce qu'il y a des filles. Chapeau, hein. Très bien. J'ai oublié les noms. Eh ouais. Et si, une fictionniste aussi. Elle est blonde, super. Voilà. Tu t'es reconnu. Nickel. Donc, tu ouvres le sachet. Tu pèses ce que tu as besoin. Tu as fait 4 kilos. 4 kilos multiplié par 50 grammes, ça fait 200 grammes. Hop.
tu mets tes 200 grammes dans un seau, dans un cul de poule, dans un bac, dans ce que tu veux, dans un récipient. Voilà. Essaye de prendre un truc, tu vois, ce seau, voilà, regarde, tu vois, il est de couleur jaune, parce que forcément, l'assaisonnement, le piment, tout ça, ça va tâcher. Donc, si tu mets un seau blanc, ton seau blanc, il ne va plus être blanc. Ou alors, il va falloir que tu laves à l'eau chaude et javel. Et là, tu rajoutes l'eau. Attends, je la mets là, que tu voyais bien. Voilà, impeccable. Là, tu rajoutes l'eau. Donc là, on a 1 kg. On va déjà mettre à peu près 1 litre d'eau. Regarde. D'accord ? À peu près 1 litre d'eau. Et là, avec le fouet, tu vois ? Alors, tu as vu, j'ai mis la petite GoPro et tout, hein, ouais, j'ai fait des efforts, hein, je te dis que j'ai calculé longtemps cette vidéo. Parce que tu sais, il faut faire quelque chose de beau. Voilà. Alors, tu mélanges, tu vois, 1 litre pour 1 kg, ça suffit. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait, à peu près. Donc, voilà. Tu mélanges bien au fouet, tu vois. Voilà. Et tu n'hésites pas à aller la chercher, là, sur les bords, hein. Sur les bords de ton seau, parce qu'elle accroche, hein. Voilà. Là, putain, il sent bon ton assaisonnement, hein. Franchement, je suis pas pour ces trucs-là, mais franchement, là, waouh. Putain, franchement, chapeau. Donc voilà, alors, tu as mélangé, ok. Là, ton fouet, tu le tapes sur ta viande, ok. Voilà, au moins, ça reste propre. On le pose là. Là, maintenant, tu vas faire que dans ton pétrin, tu fais tomber ton assaisonnement. D'accord ? Là, il y en reste, tu vois, dans le seau. Comment tu vas le prendre ? Avec la corne, berboyau.com. Et non, pas avec la corne ! Alors, regarde, je t'explique. Tu as fait ça dans un cul de poule ou autre. Tu prends un peu de chair à saucisse, là, de ta farce. Donc, mon mélange merguez, comme d'habitude. Bœuf, veau et agneau, hein, ok. Voilà, et avec ta farce, tu viens ramasser tout ce que tu peux, tout ton assaisonnement, voilà. Parce que l'assaisonnement, il est pesé pour ta viande, d'accord. Voilà, tu vois. Voilà, là, ton assaisonnement, il est tout mis, on est d'accord. Donc, ça, c'est fait, maintenant... On lance. Ah, je l'ai pas branché. Ah, je l'ai pas branché. Tu vois, tu veux du direct. Eh ben, t'en as là, du direct. Aïe, aïe, aïe. J'avais tout préparé, sauf ça. Oh, le couillon. Bon, c'est pas grave. Ouais, on le fait ensemble, là. Attends. Allez. Une petite châtaigne, là. 380. Ah, non, non, c'est pas vrai. Je suis là, les gars. Je suis là. Voilà. Ça y est. C'est parti. Là, tu mélanges. Voilà. C'est bon. Voilà. Alors, tu n'as pas de pétrin pour mélanger. Tu ne vas pas acheter un pétrin. On est d'accord. Tu fais une petite quantité. Tu le mets dans ton bac. Tu rassembles tout d'un côté. Et avec la paume de la main, tu fais ça. Tu vois ? Comme ça. Dans ton bac, comme ça. Et tu pousses toute ta chair de ce côté à l'autre côté. Tu retournes le bac et ainsi de suite. Jusqu'à ce que ta chair, elle colle. Tu vois ? Que ton assaisonnement, il soit bien mélangé. Voilà. Et ça, tu le fais... je te dis ça, il y en a beaucoup qui charcutent déjà. Et ouais, champion du monde, les copains. C'est bien. Et les fissionnistes, champion du monde. Et il y en a d'autres qui rêvent de le faire. Donc, tu vois, c'est pour ça que je fais ces vidéos. J'ai mon collègue Romu qui veut les faire, il y a Philippe qui veut les faire, voilà. Et tu vois la corne berboyau.com, voilà, regarde à quoi elle sert, ok. T'as compris? Voilà. Ça, c'est impeccable. Franchement, chapeau. Bon, j'en avais, mais... Alors, c'était des vieilles de la Bovida qui étaient à mon père. T'as compris? Celles-là sont vieilles. Mais bon, elles servent. Mais j'ai des nouvelles de berboyau.com. Voilà. Eh bien, en tout cas, basta. Il me casse les oreilles, j'en peux plus, je ne supporte plus. Enfin bref, dire que j'en ai encore au moins 15 ans à l'entendre. Oh con. Enfin bref. Donc voilà. Ici, c'est assaisonné. On va mettre tout ça dans
dans le poussoir et on va faire les saucisses. Le temps que je range un peu mon truc. Ok ? Allez, à tout de suite. Les fifionistes ! Allez, ça y est, fifionistes, t'es prêt ? Allez, on continue. Alors, premier truc, tu as des canules dans ton poussoir. Tu as une moyenne et une petite. Donc là, on fait la merguez. Merguez, tu prends la petite canule. Ok ? La petite canule, tu la mets sur ton poussoir. Voilà. Toi, tu restes bien là, on merde pas. Et ici, on a les boyaux. On a les boyaux qu'on a préparés tout à l'heure. Donc, on va prendre les boyaux. Ceux-là, là, tu sais. Voilà, tu les vois. Ceux-là, là, avec le tube plastique qui est plus qu'à... Que... Alors là, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir. Tu vas voir le truc... Alors là, il y a le tube plastique. Alors, elle m'a dit, tu fais comme ça. Et tu fais comme ça. Ok. Ok. Ok, d'accord. En fait, tu vois ici, voilà, tu as une ouverture. D'accord ? Donc, tu sais, c'est simple. Tu prends, tu mets ça, là, sur ta canule. On est d'accord ? Et là, à mon avis, une fois que tu as fait ça, voilà. Tchaka. Ok, il faut la tirer en même temps. Voilà, tu as qu'à la tirer vers le haut, et puis en même temps, tu tiens ton boyau pour la faire coulisser. Voilà, ton boyau, il est mis. Ça, ça a un coût, mais tu as vu? Voilà, tu mets à tremper 2 heures avant, et hop, tu prends, tu mets. Si tu gagnes un peu plus de temps par rapport aux autres qu'on a fait tout à l'heure, qu'il te faut tout préparer un par un, les passer, etc. Oui, c'est un gain de temps, mais ça a un coût. Alors à toi de voir ce qui te convient le mieux. Ce qui te convient le mieux, ce qui va mieux pour toi, comme un boyau. Après, c'est les mêmes, mais c'est la façon de préparer avant. Voilà. Ensuite, on met en marche le poussoir. Voilà. Et maintenant, ben, on va faire les merguez. Donc, tu as vu... Attends, 2 secondes. Tu as vu, pour mettre le boyau... J'ai pas mis d'huile, j'ai rien fait. J'ai juste pris mon boyau de l'eau et je l'ai mis sur la canule. Voilà. Il doit coulisser tout seul. Tout ça juste parce qu'il a trempé 2-3 heures avant. Tu comprends bien? Voilà. Parce que j'ai vu des fifionistes en herbe qui se sont fait chier. Comme ils m'ont dit, Fifi, je me suis fait chier, mais j'y suis arrivé. C'est ça. Peu importe le procédé, seul le résultat compte. N'oublie jamais. Tu vois? Tu veux faire tes merguez, tu veux faire tes saucisses, ok, je te file un petit coup de main, je te explique un peu 2-3 bricoles, tu vas voir, après la prochaine fois que tu vas faire, tu vas dire, putain, Fifi, quand même, champion, hein. Voilà, donc, le boyau, là, il a coulissé tout seul, juste de l'eau, voilà, mais il faut laisser tremper, la charcuterie, tu sais, ça prend énormément de temps, énormément, allez, on met le poussoir en marche, on le remet en marche, là, fais gaffe aux filles, là, je fais monter la farce au bout de la canule. Oh, un peu trop fort, Fifi. Alors ça, c'est pas grave, hein. Tu mets de côté. Après, tu pourras la remettre dans ton poussoir ou autre. Là, donc tu vois, il y a la caméra là en face et tout. C'est impeccable, comme ça, tu vois bien mes mains. Et tu comprends bien. Ici, en bout, tu vas faire un nœud. Voilà, tu vois. Juste un petit nœud, comme ça. Pour éviter que la chair, elle sorte. Et là ensuite, attends, celle-là, on s'en sert pas, on la met là, on s'en servira pour les chorizo. Voilà. Et ici, tu as qu'à faire venir ta merguez. Voilà. Donc là, on a un 22-24. 22-24, bien rempli, ça envoie. Hein. Moi, je travaille que des 22-24. Si tu les veux un peu plus grosses, tu fais 24-26. Ah, tu vois, là, j'ai un peu été trop rapide, c'est moi qui l'ai pété, hein. Tout simple, hein. J'ai trop serré, j'ai fait le con. Mais tu sais, je veux toujours faire vite et bien, et voilà. Alors là, tu y vas doucement, parce que tu as vu ce qui m'est arrivé, ça a pété. Donc moi, c'est un poussoir hydraulique, électrique. Ceux qui ont des poussoirs à main, il y a un truc tout simple à faire, c'est que tu fais 2 trous dans ta table, 2 trous dans ton poussoir à main, à manivelle. Et tu y fous 2 vis quand tu t'en sers, hein, un boulon et un écrou. Tu as bien ça à la maison. Voilà, tu fous un boulon et un écrou, ton machin ne bouge plus. Ton machin ne bouge plus. Ah ben, alors tu as ta manivelle. Et ben tu tournes ta manivelle. Et là,
ta manivelle, alors tu imagines, tu tiens vrai, hein, tourne la manivelle, voilà, la farce elle vient, alors tu vas doucement avec ta manivelle, faut que le mouvement de la manivelle il aille avec la saucisse, tu vois. Et là, quand tu arrives à la fin, comme ça, quand tu arrives à la fin de ton boyau avec ta manivelle, tu continues à pousser, et quand tu arrives au bout, hop, un tour en arrière. Et oui, pour arrêter le poussoir, tu comprends? Sinon, ta farce, elle continue à sortir. Tu arrêtes, hop, tu fais ça. Bon, moi, j'ai fait le con, parce que j'ai encore pété un boyau. Je discute, je fais tout. Voilà. Voilà, tu viens là jusqu'au bout, d'accord? Tu laisses 2-3 doigts. Quand tu arrives là au bout, tu vois, il reste un peu de boyau, il va te servir pour faire un autre nœud, pour éviter que ta farce, elle se sorte de ta merguez. Là maintenant, comme dans les vidéos que je t'ai déjà fait voir, sauf que là, il y a la petite caméra en face, ça va être génial. Et bien là, hop, tu prends, tu pinces légèrement. Oh putain, je les ai bourrés, hein. C'est pas grave. Voilà. Et là, tu remontes. Et ainsi de suite. Alors, les morceaux qui sont cassés, t'en tiens pas qu'à. Tu fais tes saucisses. Quand t'as fini, tu rectifies le tir, tu refais ça comme il faut. Voilà. Donc, et là, tu tresses. Et il sent bon, en tout cas, l'assaisonnement, franchement. Franchement, il sent bon. Ben, moi, tu vois ce qui me fait peur dans ces assaisonnements. C'est le piment. Alors Anthony, tu m'as garanti que c'était un truc doux. Pas de souci, je te crois sur parole. Mais pour être sûr de ta parole, eh oui, tu sais ce que je vais faire. Là, on fait la vidéo pour fabriquer. Et mais je referai une vidéo où on mange les merguez d'Anthony. Eh oui, de l'assaisonnement d'Anthony. Bien que ce soit la viande de Fifi, etc. Mais l'assaisonnement, c'est celui d'Anthony. Après, les merguez... C'est Fifi, eh oui. Et encore, t'as vu, je te donne pas mal de secrets. Alors, il y en a toujours qui veulent toujours plus. Pourquoi tu fais pas voir ça? Pourquoi tu fais pas voir ça? Tu veux? Prends ma place. Viens. Et puis tu le fais, toi. Eh oui. Tu verras, c'est simple, hein. C'est facile, hein, oh. Eh oui. Regarde, tu vois pas que la terre, elle est pleine de bouchées tellement c'est facile. Eh oui. Et puis vous êtes tous pas là à me demander des vidéos parce que c'est facile, hein. Eh oui. Eh non, c'est pas facile, tu le sais bien que c'est pas facile. De toute façon, il n'y a rien de facile dans la vie. Il faut te mettre des coups de pied au cul. Bah, j'ai un peu bourré mes merguez. C'est pas grave. Il y a quelques casses. Mais fin, ça n'empêchera pas de les manger, t'inquiète. Hein. Les casser, je te dis, tu les enlèves du milieu, après, c'est pas un problème. Voilà. Alors, comme ça, tu auras tout vu. Comment les faire. Comment tresser, comment hacher, comment mettre ton assaisonnement, quel boyau choisir. Et tout, tu vois, avec Anthony, on se fout en quatre pour que tu y arrives, voilà. Lui, Anto, il est content, et merde. Ça, tu vois, c'est du direct. Eh ouais, Fifi, quand est-ce que tu fais un direct? Eh, colon, tu le vois pas le direct, là. Aïe, délire. Ça doit être bon. Voilà, tu vois, le premier boyau, il est tressé. Et maintenant, ce que je vais faire, voilà, j'ai mis ma pesée en marche, et juste pour voir combien il y a de poids dans ce boyau-là. D'accord? Alors, 3 et 3. Bon, moi, je fais des pendings de 3, des petits paquets de 3. Tu dis des pendings. Oh, c'est quoi des pendings? Il va y avoir que mon tarnagas de collègue. Rapido, Patrick, qui va comprendre. Tu le connais, Patrick Rapido? Tu le connais pas? Putain, on va voir sur YouTube, Patrick Rapido. Oh, tu vas voir un tarnagas des Cévennes. Un vrai, hein? Ah, lui, c'est un vrai, un pur, hein? Un pur et dur, hein? On doit se faire une partie de chasse ensemble. Eh, Patoche?
Et ouais, on va s'en faire une. Hein. Tu sais, une partie de chasse à la patoche et à la fifi. Tu sais ce que c'est, une partie de chasse à la patoche et à la fifi? En fait, c'est une journée où on passe un moment ensemble, tous les deux, où on promène les fusils et on fait le casse-croûte. Voilà. Donc, t'as vu ces merguez? Bon, par que j'ai fait un peu le charlot, là, que j'ai un peu chargé. Maintenant, on pèse. Maintenant, on pèse. On va voir combien il y a sur un boyau. Oh, les copains! Alors, comment on peut faire? Comment on peut faire? Si je fais ça... Ah ouais, elle. Alors, attends. Tac. Tac. Et tac. Regarde. Marche ou ne marche pas? Voilà, là, impeccable. 4 kg 950. Tu vois? Voilà. Alors, Anto, il a marqué sur le paquet entre 4 et 5 kg. C'est vrai. Avec un boyau, tu fais entre 4 et 5 kg de saucisses. Selon comment tu les embosses, selon comment tu les remplis, si tu préfères. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Impec. Elle, je vais la laisser tourner. Je m'en fous. Je ferai des coupures au montage. Je verrai ça. J'arrive à la refixer. Ah, voilà. Voilà. Impeccable. Ça, c'est fait. Donc, alors, tu vois, moi, mes merguez, je viens de les faire. Et là, j'ai la barre au-dessus de la plonge, je vais les pendre. Je vais les pendre à la barre dessus la plonge, juste pour qu'elles égouttent le temps que je fabrique. Tu comprends bien? Voilà. Le temps que je fabrique, elles égouttent. Dès que j'ai fini de fabriquer, ça rentre en chambre froide. D'accord? Donc, c'est là que je te disais tout à l'heure, il ne te faut pas faire de grosses quantités. Tu fais des petites quantités. Quand tu as fini de fabriquer, de laisser égoutter, hop, dans un bac, et tu rentres dans ton frigo. Alors regarde, on va la refaire. Donc tu prends là le côté où il y a cette ouverture là, tu vois. Là, tu le mets là, tout simple, ok. Et là, tu viens là, et en fait quand tu es là, tu, regarde, tu tires, en fait ça se découpe de dessous, et c'est là qu'il te faut tenir le boyau, voilà, pour lui aider, voilà, pour lui aider à aller sur la canule. Deuxième boyau. Donc là, c'est un peu plus gros, puisque c'est 24-26. On a tiré les 22-24, maintenant on va faire 24-26. Voilà. Là, pareil, comme tout à l'heure, tu es au bout. Donc, tu fais un petit nœud. Voilà. Et là, allez, c'est parti. Voilà, tu vois, quand tu arrives au bout, tac, tu arrêtes, tu fais un petit nœud. Voilà, au moins c'est fermé, ça reste bien, ça reste propre, ça reste nickel. Un truc bien, quoi. Donc ça, c'était les boyaux tubes. Et maintenant, on va se faire les autres. Tu vois? Alors, tu tresses. Bien sûr, je le laisse, hein. Comme ça, pour ceux qui ont du mal à comprendre comment on tresse, eh bien là, tu le vois. Normalement, la caméra d'ici, elle doit bien le filmer aussi. Voilà, quoi. Et là, c'est parti, hein. Tu peux te faire tes saucisses. Tiens. Je suis content d'y être arrivé, je te jure, parce que bon, là c'est pas fini, là je suis en train de faire. Hein. Après, je vais m'amuser au montage. Hein. M'amuser au montage. Mais c'est pas grave, je vous ai promis de faire une jolie vidéo, je la fais. J'ai qu'une parole, hein. Change pas. Hein. Si je te dis non, je te donne pas la recette de mon figatelli. T'aimerais savoir, hein. Et tu ne sauras pas. Eh ouais. Eh ouais. Tu sais, dans la vie, c'est ça. Moi, je suis fait un métier. Où il n'y a pas de. Normalement, dans ce papier, y a pas, dans ce métier, il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. De. Tous ces trucs de merde. Tu vois? Nous, c'est. T'es d'accord? Je suis d'accord? Bon, allez hop, on se serre la main, c'est fait. Voilà. Voilà. Tu vois?
Voilà. Moi, je suis un mec de parole. Je t'ai donné ma parole, point. Tu tiens. Si je te donne ma parole, que je te dis non, je parle pas, non, je parle pas. C'est tout. Enfin, voilà, voilà, voilà. Faut discuter. On est là, on fait la vidéo, on vous détresse. Et ouais, ouais. Et ouais. Donc, apparemment, c'est cool. Vous passez des bons moments avec moi. C'est bien. Super. Moi aussi. Je suis content. Content de partager avec vous. Et puis, t'as vu le groupe sur Facebook? Ah, c'est bon, hein. Là, il y a des bons aussi. Mais t'as vu, voilà, en toute simplicité, en tout amour de charcuterie, de partager, tu as de tout. Tu as de tout, du moment que c'est de la bouffe. Ah ouais, il y en a quelques-uns qui disent, ouais, il y en a même qui mettent des publications de vente d'armes. Et non, c'est mon copain Kevin. Eh ouais, Kevin Baumel, l'armurerie Baumel à Nîmes. C'est mon copain, et ouais, ben il met des publications, et alors, c'est moi qui lui ai dit, ça te convient pas? Ben ailleurs, hein. Oh, on t'oblige pas à rester, hein, ouais. Et non, on t'oblige pas à rester. Voilà. Deuxième boyau est fait. Et j'aurais pu l'arrêter avant, hein. T'aurais pu le dire, oh. Oh, fifioniste, t'aurais pu le dire, oh. Bon. Deuxième boyau, alors attends, deuxième boyau, on va faire pareil, on va y mettre un crochet, ouais. Je vais mettre un crochet, parce que sinon... Voilà, et tu vois, moi, après, je vais les mettre dans ma chambre froide, comme ça, pendu, en chaîne. Mais t'as déjà vu des photos, de toute façon, voilà. Donc, je vais les mettre dans ma chambre froide, pendu, comme ça, en chaîne, qu'elles y goûtent, voilà. Mais de toute façon, ben, moi, tu sais, c'est fait pour... C'est pas fait pour garder, moi, c'est fait pour vendre, voilà. À partir de demain, les merguez, elles dégagent. Voilà. Et peut-être que même demain soir, il n'y en a plus, il faudra en refaire. Donc voilà, deuxième... Ah, qu'il est couillon, ce fifi. Qu'il est couillon, ce fifi. Eh oui, couillon, eh oui, couillon. Il est couillon parce qu'il n'a pas rallumé la peseuse. Ah. Puis alors là, tu sais, moi, j'ai fait un truc à Barthes. Eh ouais, moi, je fais toujours des trucs à Barthes. Mais ça marche, hein. Eh ouais. Et j'ai fait un truc à Barthes, mais ça marche, voilà, parce que, ben, parce que... Parce que je suis comme toi, mon pote. Hein. Il tombe pas du ciel et puis... Et puis, ben là, j'ai plus trop les ronds pour acheter une peseuse parce que là, il m'est arrivé une belle histoire avec mon petit pousseau à hydraulique que j'ai cramé comme un cono. Voilà. Alors, les merguez. Deuxième boyau. Alors, en 24-26. Oui, alors j'ai peut-être poussé un peu moins rempli parce que là, on est à 4,750 kg. Voilà. Mais on reste dans le vrai. On reste dans ce qu'il nous a dit Anthony. Hein? Entre 4, tu vois, 4,750 kg. Voilà. Entre 4, coucou, salut YouTube, salut Fifioniste, le gang de Fifioniste. Donc, Anthony nous a bien dit, on a bien entre 4 et 5 kg de saucisses faites, terminées. Voilà. Je termine ces merguez, et oui, et... Eh ben non, on le fait ensemble. Qu'il est con. On le fait ensemble, on le fait ensemble. Si, moi j'étais déjà parti ailleurs. Eh ouais, non, il faut le faire ensemble d'ailleurs, eh oui. Alors, ceux-là de boyaux, c'est fini. Donc à la fin, il te reste juste les deux plastiques, ça tu prends, poubelle, ok? Voilà. Là, on passe au boyau. Au boyau, tu les vois? Ok, au boyau en masse. Donc, la bague noire 22-24, la bague rouge 24-26. Tu te souviens? Ok. Donc, on commence par la bague noire 22-24. Alors là, tu prends ton boyau. Toi, tu prends ton boyau sur le bord de ton bac. Le dernier que tu as posé, c'est le premier qui démarre. D'accord? Tous les boyaux, c'est comme ça. Sinon, après, ils s'en mêlent. Tu vas voir quand ça s'en mêle et que tu dois défaire des tout petits nœuds là, que tu vois Nib. Alors, tu prends ton boyau, tu le fais filer comme ça, sans le serrer, juste tu le tiens comme ça. Tu le fais filer dans ton bac. L'autre extrémité qui arrive là, tu la prends, tu écartes doucement. Ah ben c'est vrai qu'il y a celle-là. Tu vois, tu écartes doucement le boyau, et là, hop, pareil, tu le mets là. Mais là, c'est toi qui l'embosse, c'est toi qui l'enfile. Donc, tes doigts, 1 et 2, comme ça. Et tu fais ça, et 1, et 2, et 1, et 2. Et tu vois, sans serrer, si tu serres, ou tu vas crever le boyau, il faut juste l'accompagner. Tu vois, allez. Voilà, là, tu mets ton boyau.
Tu vois, quand tu arrives au bout, ça, c'est les petits fils qu'il y a sur les intestins. Tu vois, on en a tous, t'en as, j'en ai. Et alors, pareil, tu fais un petit nœud. Et là, tu vas pousser. Mais attends, je vais mettre mes merguez. Je vais les pendre. Voilà. Et là, on embosse, ok? On pousse. Voilà, quand tu arrives à la fin, bon là j'ai été un peu trop loin, mais tu fais ce que tu fais, tu enlèves un peu de farce, tu la mets de côté, que tu puisses faire un petit nœud. Et voilà, là c'est joli, là c'est un beau travail. Et le pied, comme tout à l'heure, eh bien tu tresses. Alors tu vois, ces boyaux, ils sont beaucoup plus courts. Parce que les autres, en fait, c'est des chevauchés, comme on dit. Eh oui, c'est-à-dire qu'ils mettent le boyau sur la canule plastique, il en met un. Et si le boyau il est trop court, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il en met un autre derrière, mais il le chevauche. Un, il le fait monter, hop, sur l'autre, comme ça, tu vois. Et ça fait que quand tu pousses, ben, t'as qu'un boyau. Ouais, c'est bien, c'est à toi de voir. Voilà, moi je t'aurais tout dit. Maintenant tu sais. Et ouais, tu sais. Maintenant tu sais, t'as plus qu'à faire. Et voilà, et donc là, pareil, comme tout à l'heure, tu tresses. Ouais, tu vois, une fois qu'elles sont pleines, c'est vrai que ça fait des... C'est vrai que ça fait des jolis morceaux. Ben là, tu vois, c'est un peu trop épais, je trouve. Et puis, comme j'ai pas poussé bien fort, je peux me permettre de faire des petites. Ben, tu n'hésites pas à faire des petites, si c'est trop gros, le boyau. Eh oui. Après, c'est à toi de voir. Hein, bon. C'est un peu comme ça, quoi. Hein. Donc, ça, elle est faite. Hop, allez, on a fait ça. On va faire de suite derrière un 24-26. Donc, je te fais bien voir. Que je prends là du côté de la bague rouge, donc le boyau rouge, et bien le dernier que j'ai posé, comme ça c'est le premier qui part. Tu le tires, là tu vois, tu le tires comme ça, tu le fais venir dans ton bac, et cette extrémité là, tu viens chercher ici pour l'ouvrir, tu mets dessus, tu fais venir ton boyau dessus, tu fais un nœud à la fin. Tu le fais venir bien contre ton nœud au départ, ok? Et là, tu ramènes ton boyau, tu mets ton petit doigt ici, tes deux doigts comme ça là-dessus, et là, c'est parti. Allez hop, que ce soit hydraulique ou à manivelle, c'est pareil. Tu pousses ta saucisse. Tu vas doucement, t'es pas pressé. Regarde, on va doucement, regarde, on va doucement. Tu vois? On va doucement. On va doucement. Là, tu fais doucement. Ni tu vas casser de boyaux, ni tu vas faire de la belle saucisse. Voilà. Tu commences à avoir l'habitude. Allez, hop, t'as l'habitude, ça y est. Tu pousses un peu plus vite. Là, les saucisses, tu les envoies, tu connais. T'as compris? Voilà. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, il faut d'abord apprendre. Apprendre la gestuelle, apprendre le sens et apprendre à faire. Tu comprends? Cherche pas la vitesse. La vitesse, elle viendra toute seule. Toute seule, elle viendra la vitesse. Pareil pour la guitare. Tu sais, je te parle de la guitare. Ouais. Au début, je faisais un peu de la guitare. Et je voulais jouer comme Satriani, comme Hey Poor You, Fifi, oh. T'as jamais eu une guitare dans tes mains. T'as compris le coup? Eh bien, c'est pareil. Il te faut d'abord placer tes doigts, apprendre à faire des accords, savoir gratter une corde, machin. Eh bien, les saucisses, la boucherie, tout dans la vie, c'est comme ça. Voilà. Quand t'as compris ça, t'as tout compris. Et puis quand t'as pas compris, ben tu prendras des coups de pied au cul, tu comprendras. Ouais. Allez, ça c'est fait. Donc tu vois, légère, on va dire, allez, une légère différence. Est-ce que tu la vois, toi, la différence? Regarde. Voilà, ici, 22-24, ici, 24-26. Tu vois? Voilà. Donc ça fait des jolies merguez, ça fait un joli produit. Et ça sent hyper bon en tout cas. Donc, ça c'est fait. On a fait le 22-24, le 24-26 en masse. On les a fait en tube pour la merguez. Alors ça y est, petit fifioniste,
Ça y est, t'as compris pour les merguez? Bon. T'as vu ce cochon, comme il est beau? Eh ouais. Oh, Anthony, c'est Alain qui l'a mis. Eh ouais. Alain, il bosse avec Patrice Méjean. Patrice, c'est un mec de parole, droit, et Alain, pareil, rien à dire, super. Bon, maintenant, on va se faire les chorizo. Ok, d'accord. Donc, j'ai tout préparé. Ici, tu as le... Ouais, ça enregistre. Tu as le pétrin avec la farce, le cochon haché. Donc, le cochon, t'as vu, c'est celui qu'il y avait dedans. J'ai juste coupé la poitrine et la gorge, tu vois. Mais bien raclé à l'épaule. Hein. Donc, là, j'ai 1 kg d'assaisonnement complet berboyau.com pour chorizo, ok? Donc si tu divises, on te dit de mettre 70 grammes par kilo de mêlée. Si tu divises 1000 par 70, ça te fait 14,285 des brouettes. Donc 14,3 kg. Donc j'ai 14,3 kg de cochon haché pour mettre l'assaisonnement complet de berboyau.com. Eh oui, Anto. Alors, tout simple, comme tout à l'heure, tu ouvres le sachet, tu le vides dans ton seau, le même que tout à l'heure, tu vois, un seau de couleur, parce que si tu mets du blanc, bien sûr, ça va le tacher. Eh oui, puis il va t'en falloir des litres de Javel après pour... Ça, je vais le poser là, sinon je vais tacher ma table, tu vois. Donc, ici... Voilà, que je te le fasse voir à celle-là, impeccable. Donc ici, l'assaisonnement, comme tout à l'heure, une bouteille d'eau qui sort du frigo. Donc l'eau en frigo, pourquoi? Parce que pour le choc thermique, tout simplement. C'est-à-dire que il te faut de l'eau froide. Tu travailles avec de l'eau froide. Donc l'eau, tu vas la mettre hier, voire avant-hier au frigo, pour travailler aujourd'hui. Tu comprends? 2-3 jours avant, qu'elle soit bien froide. Ok. Ta viande, il faut que tu te débrouilles de la sortir du frigo, couper en morceaux, hacher, assaisonner, faire tes saucisses, laisser égoutter, re-rentrer au frigo. Tu vois? Il ne faut pas laisser chauffer. Il faut penser toujours à ça, les enfants, les amis, les copains, les fifionistes. Eh oui, il faut penser toujours à ça, la chaîne du froid. La chaîne du froid, voilà. Et essayer de faire en sorte que, et des petites quantités. Bon, c'est surtout pour les fifionistes amateurs. Maintenant, j'avais vu des coms, tu sais, quand j'avais fait mes vidéos de saucisses, il y avait un gars, il m'a marqué, « Ouais, mais si on n'a pas de hachoir, et si on n'a pas de poussoir ?» J'ai pas répondu. Qu'est-ce que tu veux que j'y dise? Donc, si t'as pas de hachoir, si t'as pas de poussoir, tu vas chez le boucher, tu prends 4 saucisses. Et ouais. Ça, c'est pour les gars qui charcutent déjà, tu vois, qui ont déjà essayé. Après, il y en a, ils ont pas besoin de cette vidéo. Tu prends mon copain, mon ami Victor Pivert, un fifioniste, champion du monde. Tu vas voir la publication qu'il a mis sur le groupe, tu verras, elle est épinglée, tu peux pas la louper. Là, lui, il a pas besoin de vidéo de fifi, je te le dis. Hein. Mais enfin, ça peut servir. Hein. Donc voilà, ton eau froide, comme tout à l'heure, tu la mets dans ton assaisonnement, 1 kg, à peu près 1 litre, hein, comme tout à l'heure, tu te rappelles? Voilà. Donc, à peu près... Ah, on va y en mettre un peu plus. Voilà, ça suffit, tu vois. À peu près 1 litre. Donc, ça... Ah, voilà, il me manque le fouet. Oh, putain, je l'ai mis là-bas. Il est là-bas. Attends. Je fais un petit truc à la con, là. J'arrive. Je vais ça, c'est du direct. Ouais, Fifi, quand est-ce que tu nous fais un direct? Peut-être t'en as un, alors, mieux que ça. Et tu verras, hein. Tu verras que dans la vidéo, des coupures, il n'y en a pas beaucoup, hein. À part pour quand je dois mettre la farce. Tu vois, comme ça, tu me vois m'équiper et tout. T'as vu? C'est pas con, ça. Oh, sans déconner, j'ai oublié ça. Mais c'est pas grave. C'est que cette vidéo, elle m'aura pris la tête. Ben ouais, parce que je veux que ce soit bien fait, que tu comprennes tout. Eh oui. Donc, je reviens. Allez, ça y est. Donc là, tu vois, tu as mis ton eau. Et là, maintenant, avec ton fouet, comme tout à l'heure, tu mélanges. Tu vois? Bien, tu vas la chercher bien au fond. Ah, tu vois ce qu'il faut? Voilà. Là, tu vois, en fait, tu t'aperçois que c'est épais. Mais vraiment, là, c'est vraiment épais. Hein. Qu'est-ce qu'on fait comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tu prends de l'eau froide. Tu rajoutes de l'eau froide. Voilà, et tu mets carrément la bouteille d'1,5 litre, parce que là, c'était trop épais. Tu comprends, il faut que ce soit
pas pâteux, mais pas non plus liquide. Tu vois, il faut que ce soit... voilà. Voilà. Et, mais là, là, c'est bien. Regarde, regarde, ça vient bien. Là. Moi, je le sens au fouet. Et ouais, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, mon porc. Donc voilà, tu vois. Là, oui. Là, tu vois, c'est ni pâteux, ni liquide. C'est juste ce qu'il faut. Impeccable. Donc, et tu vas bien la chercher dans les angles là, de ton seau. Hein. Voilà. Ça. Là, quand elle est bien mélangée, maintenant, comme tout à l'heure, tu la vides sur ta chair. Voilà. Voilà. Là, tu vas prendre un peu de chair sans rien et tu vas, comme tout à l'heure, racler ton seau jusqu'à ce que tu n'aies plus rien dedans, quoi. Parce que l'assaisonnement, il est calculé pour la masse que tu as. Tu comprends? Si tu mets plus d'assaisonnement que ce que tu as de viande qui est prévu, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer que ça va être trop salé, trop fort, trop ci, trop mi, trop là. Si tu en mets pas assez, je m'entends, hein, tu peux faire, allez, tu peux te permettre une marge d'erreur d'un demi-kilo. Tu vois, on te dit 14,3 kg, mettons tu tombes et tu as 14,7 kg, 14,8 kg. C'est bon, t'inquiète pas, ça va pas pourrir. Maintenant, si tu mets 10 kilos de plus, là, t'étonnes pas du résultat. Hein. Donc voilà. Ici, ça c'est fait. Et là, je l'ai branché. Tu lances le poussoir. Alors avec la corde verboyau.com, là, tu t'insères, tu vois. Bon, si t'as, comme je t'ai dit tout à l'heure, si t'as pas de pétrin, tu vas pas t'acheter un pétrin. Non. Oh, c'est pas le con. Hein. Tu vas pas t'acheter un pétrin. Et puis après, par contre, tu mélanges tout à la main. Voilà. C'est pas gaga, tu vois. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon. Pétard. Hein. Bah, le dommage, c'est que t'as pas l'odeur. Eh oui. Le dommage, c'est que t'as pas l'odeur. Ouais, et moi, j'y remets un petit coup à l'envers pour bien prendre tout, tu vois, pour bien qu'il mélange tout. Bon, c'est des petits trucs, après ça, c'est toi en travaillant, en force d'en faire, en force... À la fin, tu te fais à ta main. Moi, je te fais voir comme je fais, hein. Je te dis, voilà, je fais comme ça. Après, tu fais comme tu veux. Hein. Mais bon, déjà, t'as les bases. Ça aide. Quand tu sais pas, quand t'as lu sur des livres, quand... après, quand tu vois, c'est pas pareil. Hein. Ouais, puis là, c'est une vidéo. Hein. Tu mets avant, tu mets arrière, tu mets comme tu veux. Hein. Là, c'est fait, c'est mélangé. Bon, je charge le poussoir, je range un peu tout ça et on continue. Hein? Ok, ça y est, fifioniste. Le fifioniste, ça vous va bien, putain. Comme ça, je me plante plus dans les prénoms. Ça, c'est chouette. Alors, le poussoir est chargé. J'avais promis sur le groupe à un fifioniste qui galère, qui m'a dit « Fifi, je comprends pas, je fais mes saucisses, des fois il y a de l'air, des fois ça pète, des fois... » Alors je t'ai dit, c'est quand tu embosses, quand tu mets ta farce dans ton poussoir, qu'il y a souci. En fait, tu fais des petites boules, parce que, je t'explique, tu as un petit poussoir à main, ok? Donc il n'est pas gros, un petit machin, il est comme ça, ok? Donc tu vas faire des boules plus petites que le trou que tu dois mettre, que le cylindre de ton poussoir, d'accord? Tu fais plus petit. Tu prends ta boule, tu la mets bien au fond. Quand elle arrive au fond, tu fermes le poing. Et avec le poing, je me mets de profil. Ça, c'est la farce, elle est comme ça. Ah, tu vois, elle est toute pas belle. Voilà, toi, avec le poing, tu vas la tasser. Hop, pour qu'elle devienne comme ça. Tu vois, toute bien lisse. Bien lisse. Voilà. Tu refais une boule, paf, tu la mets. Et pareil, tu tasses. Et tu entends. Pchit, 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 c'est l'air qui sort. Voilà, d'accord? Tu tasses bien. Tu commences par le milieu et tu finis par les côtés. D'accord? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. À la fin, tu laisses 2-3 doigts. Tu viens pas à ras. Ça sert à rien. Parce que quand tu vas mettre
Le piston, ça va dégueuler. Donc, tu laisses 2-3 doigts. Tu fais venir ton piston à ton cylindre. Tu vois, ça c'est ton cylindre. Tu fais venir ton piston, tu le rentres. Et là, tu commences à pousser. Dès que ça arrive là au bout, hop, tu mets un tour en arrière. Un tour en arrière. T'as compris? Voilà. Ta farce, elle est arrêtée là. Tu prends ton boyau, tranquillou. Tu le mets sur ta canule, tranquille. Tu fais ton petit nœud. Non, tu fais pas ton petit nœud. Tu mets un tour en avant. Donc ta farce, elle reprend en pression. Dès qu'elle sort un peu là, tu fais le nœud. Là, tu fais le nœud. Au moins, il n'y a pas d'air. T'as compris? Une fois que là, c'est fait, allez, tu prends ta manivelle et allez, tu es parti, c'est parti. Alors, tu vas doucement. Tu vas doucement au début. Faut que la main gauche, elle aille en même temps que la main droite. Et c'est dur à régler ça. Hein. Là, il va te falloir un moment. Hein. Mais bon, t'en fous, t'as le temps. Hein. Voilà, donc ça, c'est fait. Yes. Maintenant, on fait les chorizo. Alors, attends, tu sais quoi? Parce que quand même, oh, Fifi, je vous parle, mais j'ai soif. Oh. J'ai pas le temps de rien, je fais que courir. Alors, je bois un coup à ta santé. De l'eau. De l'eau et du citron. C'est con, hein, je marche à ça. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, ouais, on revient sur mon chorizo. Tout à l'heure, tu avais pris la petite canule. C'est normal, tu as fait des merguez. Alors, tu fais des merguez, tu prends la petite canule, les petits boyaux, 22, 24 ou 24, 26, ça y est, tu as compris. Ok. Que tu fasses de la merguez ou de la chipot, ou de la saucisse comme la chipot, mais avec du fromage, ou avec des herbes, ou avec ce que tu veux. Tu mets la petite canule, des petits boyaux. Tu veux faire de la grosse, comme on va faire le chorizo, que tu fasses de la Toulouse, que tu fasses de la soubrossade, que tu fasses des chorizo, que tu fasses des saucisses d'herbe. Pareil, tu prends la canule moyenne, tu vois, je te la mets bien devant, comme ça, celle-là, tu l'as vue, hein, tu pourras comparer. Bon. Ensuite, elle est comme tout à l'heure. Hein. Tu la mets sur ton poussoir. Voilà. Tu le fermes, lui. Et voilà, ça c'est fait. Là, ensuite, on a les boyaux qu'on avait préparés ensemble. Tu vois? Voilà, les boyaux. Le dernier que j'ai mis, il est là. Donc, c'est le premier qui va démarrer. Tu es d'accord avec moi? Ok. Donc, je mets mes boyaux ici. Et là, comme tout à l'heure, tu prends le boyau, le bout là, tu le fais venir là, et il va dans ton bac. Donc, je n'ai pas remis la petite caméra, parce qu'on arrive sur la fin de la vidéo. Alors, ceux qui trouvent que la vidéo, elle est un peu longue, ici et là, mais casse-toi, dégage, fous le camp. T'as compris là ce que je t'ai dit? Voilà. Ça, c'est pour les gens qui sont passionnés de charcuterie, qui veulent savoir, et que, à part Fifi, à qui tu veux qu'ils demandent? Voilà. Et puis tu vois, je vais t'expliquer, tous les amis, tous les copains, tous les amis, tous les copains qui regardent cette vidéo, ils ont envie de voir Fifi, ils ont envie de partager un moment avec moi, parce que ça leur fait du bien. Et comme ça leur fait du bien à eux, ben ça me fait du bien à moi. Eh ouais, c'est comme, c'est vrai, eh ouais. Donc voilà, t'explique. Maintenant, putain, presque il me monte les larmes. Je vous aime les amis, je vous aime. Alors, je t'explique. Le boyau, ok. La canule, tu mets pas de l'huile, d'accord? Le boyau, il a trempé dans l'eau, ça glisse tout seul. À la limite, tu mouilles un peu ta main comme ça, et tu mets 4 gouttes dessus, histoire de... Tu prends ton boyau, tu l'ouvres, et là, c'est parti, tu enfiles ton boyau, allez. Donc, tu vois, j'ai pas encore allumé le poussoir, hein, parce que t'as vu le ding. Ouais, il marche bien, hein, ouais, mais ding. Ouais, tu pètes un boulot, hein, ouais. Oh, tu pètes un boulot, hein, ouais. Donc voilà, tu enfiles ton boyau. Quand c'est fait, pareil, hein, comme le poussoir à main, comme je t'ai expliqué. Voilà. Mets en marche. Voilà. File. Ici. Voilà, voilà, voilà. Tu vois, on fait monter la farce au bout. Là, tu viens ici, tu fais un nœud. Comme tout à l'heure, pareil. Voilà. Et là, eh bien, c'est parti. Hein. Ok? Ça va bien, là. Alors, chorizo facile. Hein. Tu pousses, comme ça.
Voilà, quand tu arrives à 2-3 doigts de la fin, comme d'habitude, hein, tu arrêtes, histoire que tu aies de la place pour faire un nœud. Voilà. Et tu reprends le boyau, l'avant-dernier, et tu refais pareil. Et voilà. Et en fait, on va les faire ensemble, parce que là, il y a 14,3 kg, donc c'est vite poussé, tu vas voir. On va les faire ensemble. Et je vais te faire voir les chorizo. Alors, chorizo, tu as... Il sent super bon ton assaisonnement, Tony. Franchement, il m'ouvre l'appétit. Pourtant, je te jure, j'ai mangé à midi, mais bon, il m'ouvre l'appétit. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, chorizo, tu vas voir. Soit tu les ficelles comme des perugines, hein, ou tu peux les faire en U. Donc là, tu veux le faire en U. Alors, je vais t'expliquer. Alors, soit tu peux le faire en U. Soit tu les ficelles comme les perugines, soit tu les tresses comme tu tresserais des saucisses d'herbe, des chipolatas, des grosses saucisses. Et puis tu peux les faire griller quand ils sont frais. Tu peux les pendre et les laisser sécher. Tu vois, et ainsi de suite. Tu reprends un boyau et c'est parti. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je les fais... J'aime bien en faire des petits, t'as vu, moi, j'aime bien. Comme les perugina, comme les petits figatelli, tout ça. J'aime bien ficeler comme ça, ça me plaît, c'est mon truc. Ça, c'est qu'est-ce que tu veux, c'est un truc de famille, voilà. Et ça me reste, voilà. Donc, c'est, puis c'est ma personnalité, voilà. Donc, j'aime bien en faire des petits comme les perugina. Et ce que j'aime bien de faire aussi, c'est que tu prends une réglette en alu ou une barre, quoi. Ou si tu n'as pas, ben tu prends un poteau à la maison, t'en fous, il n'y a personne qui va t'emmerder. Tu prends un morceau de bois, voilà, une jingle de bois, et tu pinces ton chorizo, tu le pends comme ça, qu'il soit un peu écarté, qu'il ne se touche pas, et tu le pends dans une pièce bien sûr fraîche, hein, à éviter la chaleur, dans une pièce fraîche, sans lumière si possible, et le pire, c'est la mouche, sans mouche. Donc c'est pour ça, vous amusez pas à cuisiner, à charcuter, à vous faire des saucisses là au mois de juillet et d'août, hein. En pleine chaleur, 40 degrés, ouais, les copains se fait des saucisses, tout le monde à l'hôpital, ouais, c'est Fifi qui m'a fait voir. Non, 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 non. Moi, je te fais voir dans mon labo. Mon labo, il est frais, tu sais. Là, je crois que j'ai 8. Mais bon, ça suffit, hein. Voilà. Donc tu vois, tout simple, hein. Voilà. À la fin, bien sûr, un petit nœud. Alors comme ça, en même temps qu'on fait cette vidéo, eh bien, on discute un peu de tout, tu vois. Bon, je t'ai beaucoup parlé de surtout de ça, les boyaux, d'Anthony, etc. Et puis en même temps un peu du groupe, et puis en même temps un peu de tout. Alors t'as vu, sur le groupe, moi j'y suis pas trop. Et ouais, tu comprends bien que je peux pas être là à bosser, à te faire des vidéos sur les saucisses, et à servir mes clients, et à préparer mes commandes, et à nettoyer ma boucherie, et etc, etc. Et être en plus sur Facebook, et tout. Donc je me suis mis sur Instagram. Je partage quelques photos quand je peux et tout. Mais, sur le groupe, tu as tous mes frangins et frangines. Eh oui, tous les administrateurs du groupe, c'est mes frangins et frangines. Pourquoi ? Parce que même esprit, même vision de la vie, même respect d'autrui et même amour des uns des autres. C'est pas beau ça ? Qu'est-ce que tu veux de plus ? Qu'est-ce que tu veux de plus ? Moi, je suis heureux. Tu sais, pour être heureux, ben, il suffit de vouloir. Hein. C'est simple. Hein. En fait, tu te bloques un peu, quoi. Il faut que tu arrives à te faire un parement. Un parement, tu vois, un parement par rapport à la tristesse, à la misère du monde, à la méchanceté, à la discrimination, etc., 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 etc. À tout ce qui se passe, que tu vis, que tu vois tous les jours comme je le vois moi. Voilà. Et que tu arrives à zapper ça pour arriver à te créer un monde comme je me suis créé. Un monde avec des fifionistes. Et on charcute, et on bouffe, et on s'éclate, et voilà, quoi, et on s'éclate, et c'est super. Et on passe des bons moments tous ensemble. Putain, qu'est-ce que tu veux de plus ? Ah ouais, tu vois bien comme ça va ?
Aujourd'hui, t'es là, demain, t'y es plus. Alors, et moi, tu vois comme je suis content? Je suis content parce que quand je vois tout ce que vous faites avec vos petites mains de fichionnistes, ah oui, c'est beau ça. Ah oui, le gang des fichionnistes, vous me faites vraiment plaisir tous, je vous jure. C'est la plus belle des récompenses, ça. Après, à qui veux-tu que je le dise tout ce que je sais? Embaucher, tu le sais. Je peux pas. Je peux pas. On est à Genolac, les copains. Il faut le réaliser. Je peux pas embaucher. J'ai ma petite femme et puis je suis arrivé à un âge où j'ai plus l'envie, j'ai plus la niaque comme j'avais. Bon, et bien sûr, après tu me tiendrais pas peut-être de rang, mais j'ai plus ce que j'ai été. Voilà. Voilà. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, on est là, on fait des vidéos, on partage. Et regarde, tu veux que je m'emmerde à former un apprenti qu'on est plus de 26 000, je crois. 26 300 abonnés ou 26 400 abonnés. Oh, tu connais un patron qui a 26 400 apprentis, toi? Eh non, mais moi, je vous ai vous. Je suis content. Je suis content. Allez, on va terminer ces... C'est chorizo, là on doit pas être loin de la fin. Mais t'honnerais qu'on le tire entier. Eh, qu'est-ce que je te dis? Ouais, je connais mon poussoir. Donc voilà, là tu arrives. Oh merde, j'ai plus de farce, j'ai encore des boyaux. Alors là, tu travailles comme il faut. Tu vas pas tirer, tu vas pas arracher. Tu fais ça. Un petit coup de couteau. Aiguisé avec la fileur d'Anthony. Alors celui-là aussi il est bon. Hein. Waouh! Anto, j'y ai dit, Anto. Hein, Anto, c'est pas vrai? Ouais, je te l'ai dit. J'ai dit, écoute, je le garde, parce que les gens qui ont vu la vidéo, ils viennent à la boucherie, il y en a beaucoup qui me posent des questions. Eh bien, je leur fais la démonstration devant. Et voilà. Alors après, ils appelleront Anto. Le boyau qui te reste, tu l'enlèves, tu le mets avec tes autres. Voilà. Et ça, ce que tu fais, si tu refais de la saucisse dans ta semaine, tu les laisses comme ça dans le frigo. Sinon, le mieux à faire, tu enlèves l'eau, tu les laisses un peu égoutter, et avec tes mains, tu fais une boule. Tu prends un bol, tu mets un peu du gros sel au fond, tes boyaux, du gros sel dessus, au frigo. Et tu n'y touches pas. Le jour où tu veux refaire des saucisses, tu enlèves ça du sel, tu mets à tremper, et tu les fais comme on a fait dans la vidéo. Ok? Voilà. Là, c'est fini, le temps que je mette en place, et on l'a fini. Ok? Voilà, ça y est, hein, j'ai fini de les piquer et on va les ficeler tous ensemble. Comme ça, ben, tu verras encore un peu. Et en fait, c'est pour finir la vidéo, juste pour te dire que j'espère qu'elle te plaise parce que je me serais vraiment donné du mal pour que tu comprennes, que tu assimiles cette chose de faire des saucisses. Voilà. Et moi, je te donne ce que je peux, bien sûr. Je ne peux pas tout te donner de mon métier, tu comprends bien. Et il faut que je gagne ma vie. Eh ouais. Mais voilà, alors je te donne ce que je peux et Anthony Berboyau.com, il est là pour te servir aux petits soins, aux petits oignons. Donc, tu as deux professionnels à ta disposition. Fifi, le Sevenol, ici présent, et ses frangins frangines sur le groupe. Alors, ils sont géniaux, hein. Bon, et tu as Anthony. Anthony, c'est un professionnel, il sait de quoi il parle, il connaît le métier, il sait ce qu'il vend, il sait te conseiller. Donc, tu as besoin de conseils en matériel, en hachoir, poussoir, boyau, assaisonnement, tout ce qui touche au métier de la bouche. D'accord? Voilà. Tout ce qui touche à ce métier-là, tu n'hésites pas, tu appelles Anthony, tu envoies un mail, tu fais ce que tu veux. Voilà. Et il est là pour te servir et il se fera un plaisir de te servir. C'est vraiment un gars extra qui est dans le même esprit que Fifi le Sevenol, tu vois. Voilà. C'est un gars qui aime la vie, qui aime le partage, qui aime l'amitié, qui est droit, qui a une parole. Voilà. Un garçon bien. Un garçon bien. Un garçon de Haute-Loire. Et oui, oui. Et voilà. Donc, je finis de ficeler mes chorizo. Donc, tu vois, hein. Comme les Pérugines, donc tu as une vidéo sur le ficelage des Pérugines, je t'ai expliqué, tu iras voir, voilà. Là, je pense que je vous ai pas mal retenu avec moi, je pense que vous avez tous passé un bon moment, moi aussi, franchement, ça me tenait à cœur de le faire, et pour vous, et pour Anthony.
Voilà. Et après, tous les fifionistes amateurs ou professionnels ou semi-pro ou qui savent bien se démerder, comme je vois sur le groupe là, tous, alors les noms m'échappent, les copains, mais je pense à vous tous, voilà. Karine, Victor Pivert, Stéphane Godel, tous, je vous aime, voilà. Génial, j'ai encore oublié mon couteau. ouais, Fifi, faut bien qu'il en oublie une. Enfin, voilà. Donc, ça y est, ça, c'est fait. Tu vois, ils sont ficelés. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, là, c'est que je vais les mettre. Alors, pourquoi tu les as piqués, Fifi, tes chorizo? Pourquoi tu les as piqués? Parce que il y a toujours un peu d'air, tu vois. Ces chorizo, là, aujourd'hui, sont destinés à griller. Mais il suffit que le temps, il merde, qu'il se mette à pleuvoir, qu'il y ait des gueules ce week-end. Eh bien, qu'est-ce que t'as fait de tes chorizo qui sont à griller? Eh bien, tu les pends. Et puis, ils vont sécher. Et ça fera du chorizo sec. OK? Donc ça, c'est une pique, tu la connais, hein? Ça, c'est une pique à saucisse. Tu regardes sur berboyau.com, je suis sûr qu'il en a. Et ça, c'est très bien. Tu fais les pérodines, tac, tu piques. Dans la grosse comme ça, hein, dans du boyau de 32, hein? Pas les chipots. Hein? Ok? Tu piques, mais t'as vu comme je pique? Tu piques, tu lèves et tu continues. Et ta main, elle va toute seule. Tac, 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 tac. Et tu fais ton tour, un coup. Voilà. Juste pour faire quelques petits trous pour chasser l'air. Alors, il y en a un qui m'avait marqué, ouais, c'est pas bien de piquer, tu fais rentrer de l'air. Non, mon pote, ça c'est des conneries. C'est parce que tu veux pas que je donne des trucs du métier. Et ça te fait chier. Eh, ça te fait chier, ben, va voir ailleurs. Moi, je suis comme ça. C'est comme ça, je partage tout de A à Z. OK? Allez, les amis, je vous laisse tranquille. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça va tous vous aider. Hein. Philippe, Romu, et consorts, tous les fifionistes. Allez les amis, des grosses bises et à bientôt. Et n'oubliez pas, berboyau.com. Yes!